Bon, alors quoi de neuf à bord du Class 40 Everial? Et ben, comme vous pouvez le voir, on est toujours sous spi. On est dans un alizé un petit peu mou parce qu'il fait très chaud. Ce matin, le soleil s'est levé, il n'y avait plus de nuages et ça cognait. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? On boit de l'eau. Et justement, l'eau, c'est hyper important et j'avais envie de vous donner quelques petites infos qu'on donne aux enfants d'habitude avec la Water Family, mais ça fait pas de mal un petit rappel. Donc c'est parti pour un petit topic sur l'eau. Le corps humain, 65% d'eau. On est sur la planète bleue et on est des êtres constitués d'eau, donc c'est important de boire. On doit boire 3 litres d'eau par jour, 3 litres en liquide, mais aussi dans les aliments que l'on consomme. Si on est un peu déshydraté, si on a un peu la bouche pâteuse, on peut perdre jusqu'à 30% de capacité cognitive. Toute l'eau qui m'entoure là, sur l'océan, il y a 97% d'eau salée et seulement 3% d'eau potable. Et dans les 3% d'eau potable, il y a seulement 1% qui est accessible. Donc quand on sait qu'en 1900 on était 2 milliards et qu'en 2019 on était 8 milliards, et ben voilà, je vous laisse avec ces chiffres, je vous laisse réfléchir un petit peu. J'espère que ça vous donne l'envie de prendre conscience que l'eau est un bien précieux, qu'il faut le protéger. Et quand on entend que de plus en plus l'eau est en train d'être privatisée, et ben ça laisse à réfléchir à des jours un peu sombres. Voilà, donc faites attention à ce que vous buvez, soyez conscient de l'impact que vous avez quand vous consommez. Et je vous souhaite une bonne soirée.